entouré par l'orage qui tonne et la pluie. Tu te réveilles. Ta gorge est sèche et tu ressens le besoin d'aller boire. Tu as peur des dangers extérieurs et du noir. Pour te consoler, tu vas voir la chambre de tes parents, ouvrant silencieusement la porte avec ta main gauche. Ils dorment toujours malgré le bruit. Apaisé par cette découverte, tu entreprends d'aller à la salle de bain pour te désaltérer. Mais un long couloir sépare ta position et la salle d'eau. Tu marches et tu entends tes os craquer, le parquet grincer. Essayant de faire le moins de bruit possible pour ne pas réveiller ton père et ta mère, tu y vas doucement. Et tu as l'étrange impression que quelqu'un te suit, comme si un danger se mouvait derrière toi. Voilà que tu te retrouves au bout de ce couloir sombre. Il ne reste plus qu'à prendre à droite, et tu es arrivé à ta destination. Malgré le peu de visibilité, tu remarques un grand miroir posé sur le fond du couloir. Un grand et beau miroir que tes parents avaient acheté dans une brocante, orné de bois clair. Un miroir qui semble être vieux d'une dizaine d'années. Tu l'ignores et tu continues ton chemin jusqu'à la salle de bain. Tu bois, et tu repars pour retrouver au plus vite ton cher lit. Mais une fois de plus, ton regard est attiré vers le miroir. Le beau miroir. Tu te contemples, regardant une petite croûte sur ta joue droite que tu t'étais faite plus tôt. Elle gâche ce si beau visage. Le lendemain, il fait beau, et tout le monde est dans le salon et déjeune. Sauf qu'il y a un détail qui a changé. Un détail que tes parents n'ont même pas remarqué. Ta croûte n'est plus au bon endroit. Non. Maintenant, elle se retrouve sur ta joue gauche. Je le sais car c'est moi qui t'ai remplacé.